Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 4 paramètres que tout YouTuber digne de ce nom doit absolument connaître. Ces 4 paramètres vont vous aider à faire décoller vos vues et l'engagement autour de vos vidéos. Un seul de ces 4 paramètres vous permettra d'augmenter vos abonnés de manière très significative. Donc vraiment, il vaut mieux le connaître. Et surtout, ça vous permettra de gagner un temps précieux lors de vos mises en ligne et dans la gestion de vos commentaires. Alors, je t'ai bien accroché hein, et tu vas voir que je tiens mes promesses. Générique ! Salut Olivier Juppré, bienvenue dans un nouvel épisode de Stratégie Vidéo, le meilleur endroit pour apprendre à faire de belles vidéos, pas chères et qui rapportent gros. Si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de vous abonner parce que je publie de nouveaux tutoriels chaque semaine et activez bien la petite cloche. Les liens vers tout ce qui est mentionné dans cette vidéo sont dans la description. Beaucoup de YouTubeurs ne prennent pas le temps de peaufiner certains paramètres qui ont pourtant une influence radicale sur leurs résultats. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'après avoir parcouru ces 4 paramètres incontournables, je vous montrerai comment avoir des vues sur YouTube rapidement. Alors la première série de paramètres se trouve dans les paramètres de chaîne. Pour cela, on va se rendre dans le studio YouTube paramètres. Alors au passage, profitez-en pour régler votre devise par défaut dans les paramètres généraux. On va cliquer sur chaîne. Vous pouvez préciser votre pays de résidence ici. Moi, je vis en Belgique, mais mon audience est majoritairement française. C'est pour ça que j'ai coché la France. Juste en dessous, il y a les mots-clés. Alors ce sont des mots-clés génériques qui sont pertinents pour toutes les vidéos de votre chaîne. Ces mots-clés doivent correspondre au thème de votre chaîne, au contenu récurrent que vous publiez. Alors il y a des spécialistes qui critiquent les mots-clés en disant que ça ne sert plus à rien. 38,7% du trafic chez Stratégie Vidéo vient des recherches. C'est notre source principale de trafic et les recherches, c'est les mots-clés. Les vidéos qui fonctionnent le mieux sur la chaîne Stratégie Vidéo ont été méga travaillées au niveau des mots-clés et ça paye puisque pour la plupart d'entre elles, elles sont numéro 1. Ouais, c'est bon d'être numéro 1. Vous avez compris que chez nous, les mots-clés, ça marche très bien, très fort. Et si vous voulez savoir comment utiliser les mots-clés de la bonne manière pour exploser vos vues sur YouTube en moins de 12 mois, même avec peu d'abonnés, on a créé une masterclass gratuite qui vous explique tout pas à pas. Le lien est dans la description. On vous encourage à insérer les mots-clés génériques de votre chaîne ici, à commencer par le nom de la chaîne. Donc pour nous, c'était Stratégie Vidéo, mais aussi votre nom perso. Et puis des mots-clés qui correspondent à ce que vous publiez chaque semaine. Donc pour nous, ça correspond à filmer avec un smartphone, comment développer une chaîne YouTube, monter une vidéo rapidement, comment avoir plus de vues sur YouTube, comment avoir plus d'abonnés sur YouTube. Je pense que vous avez compris l'idée. Ça prend quelques minutes et puis franchement, on n'y touche plus. Ça vaut le coup de faire l'effort. Deuxième paramètre, alors ça va vraiment vous faire gagner un temps de ouf, c'est la mise en ligne par défaut. Et pour ça, on va cliquer sur paramètres de mise en ligne par défaut. Ouais, je sais, c'est complètement fou. Pour le titre, si vous suivez un peu cette chaîne, vous savez que chaque titre doit être différent. On laisse donc vide. Pour la description, c'est bien d'avoir une base, mais essayez de personnaliser chaque description au maximum en fonction de chaque vidéo. Il faut vraiment éviter de bourrer la description de liens sortants, c'est-à-dire des liens qui sortent les utilisateurs de YouTube, comme des liens vers votre page Instagram, Facebook ou vers un bonus gratuit. Allez-y avec parcimonie pour vous faciliter le travail. On vous a créé un modèle de description à copier-coller que vous pouvez retrouver justement dans notre description et c'est gratuit. Ça commence par la première ligne dans cette vidéo, donc ça c'est un aide-mémoire pour vous encourager à écrire quelques phrases riches en mots-clés qui correspondent au contenu de votre vidéo. Ensuite, vous pouvez insérer des liens vers des solutions que vous auriez mentionnées dans votre vidéo. Si vous faites la chronique d'un super livre, vous pouvez insérer le lien vers Amazon pour pouvoir l'acheter par exemple. En dessous, je vous encourage à renvoyer vers d'autres vidéos de votre chaîne, des vidéos complémentaires qui sont en lien direct avec le sujet que vous traitez. Ça va maintenir une partie de votre audience sur votre chaîne et ça c'est tout bon pour l'algo. Et puis, vous pouvez insérer un lien pour s'abonner à votre chaîne, des liens vers vos réseaux sociaux, formations, etc. Mais allez-y mollo. Vous pouvez ensuite inclure les chapitres de votre vidéo. C'est vraiment super utile et super simple à se faire. Il vous suffit en fait de saisir le timecode et d'indiquer à quoi ça correspond. Donc par exemple, 00:00, mettre la farine dans un saladier avec le sel et le sucre. 00:30, faire un puits au milieu et verser les œufs. 00:45, ajouter le lait froid petit à petit. Vous aurez évidemment reconnu la recette des crêpes, c'est super, vous êtes attentif, j'adore ça.
On termine ensuite avec un à propos qui reprend le nom de la chaîne, le hashtag de la chaîne. Ça vaut le coup de prendre la main en fait sur ce hashtag, de faire en sorte qu'il vous appartienne entre guillemets. Et vous pouvez aussi rajouter le nom du créateur de la vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez gratuitement copier-coller en fait notre modèle de description. Le lien est dans la description justement. Pour la visibilité, cocher privé, c'est toujours mieux de planifier la publication de votre vidéo. Pour les tags par défaut, vous pouvez ajouter le hashtag avec le nom de votre chaîne. Pour nous, c'est hashtag stratégie vidéo et le nom du créateur des vidéos. Dans les paramètres avancés, vous pouvez choisir le type de licence par défaut. Alors, mieux vaut cocher la licence YouTube standard. Mais si vous voulez autoriser l'utilisation gratuite de vos vidéos, vous pouvez partir sur une licence Creative Commons. Pour la catégorie, on n'a pas senti de différence particulière entre les différentes catégories. La langue de la vidéo et de la description, on met français. Et pour les commentaires, on demande de vérifier les commentaires potentiellement inappropriés. On y reviendra en fait dans le troisième paramètre, mais c'est vraiment important. Et donc justement, on va voir dans un instant ce troisième paramètre essentiel. Et puis après, je vous parlerai du paramètre qui va décupler vos abonnés. Mais avant, le troisième, c'est de bien gérer votre communauté. Si votre chaîne est en développement, ça peut vous paraître un petit peu exagéré, mais si vous suivez bien nos conseils hebdomadaires, votre chaîne va décoller plus vite que prévu et vous allez rapidement vous retrouver avec beaucoup, beaucoup de commentaires à gérer. Et la grande majorité des commentaires sont sympas, intéressants et constructifs, mais bon, il y aura toujours bien un troll ou un rageux pour venir casser la dynamique. Et là, vous serez très heureux d'avoir bloqué certains mots de manière automatique. Vous trouverez dans la description une liste Wikipédia des plus belles insultes en français. Faites votre choix parmi celles qui vous inspirent le plus et copiez-collez. Le lien est dans la description. Chez Stratégie Vidéo, on a aussi rajouté toutes les variantes de tu t'abonnes, je m'abonne, abonne-toi et toutes ces conneries. Et on bloque aussi les liens. Vous pouvez aussi bloquer certains utilisateurs et vous voyez que chez Stratégie Vidéo, on n'hésite pas. Finalement, ces paramètres représentent un énorme gain de temps. Alors, on termine avec le quatrième paramètre qui va faire exploser vos abonnés. C'est le filigrane s'abonner. Et voilà à quoi représente le filigrane s'abonner sur YouTube. Ça fonctionne uniquement sur ordinateur. En fait, il apparaît aussi sur les smartphones, mais il est inactif. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire en cliquant dessus. Vous passez votre souris dessus et magie, ça vous permet de vous abonner en un clic. Depuis qu'on a installé un filigrane sur toutes les vidéos de la chaîne, on a remarqué une progression très importante du nombre d'abonnés. Ça fonctionne, c'est super facile à installer. C'est un outil YouTube officiel. On veut que vous connaissiez le même succès. On a donc créé deux filigranes pour vous. Vous pouvez vous les procurer pour seulement 2 euros au lieu de 5. C'est la promo du jour. Le lien pour les télécharger est dans la description. Une fois que vous l'avez téléchargé, rendez-vous sur personnalisation, branding et filigrane vidéo. Cliquez sur importer. Vous pouvez ensuite choisir quand il va apparaître. On vous conseille soit l'intégralité de la vidéo, soit après 5 secondes. Avec ces 4 paramètres, vous êtes prêt à faire exploser vos vues YouTube. On vous a préparé une vidéo spéciale ici qui vous explique comment avoir des vues sur YouTube rapidement. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait et à bientôt. Ciao !